de Pointe-Noire. Le président. La cérémonie qui nous réunit ce jour est d'une grande portée historique. En effet, non seulement que c'est pour la première fois qu'un navire d'hôpital chinois arrive à Pointe-Noire, mais aussi et surtout, le sujet principal au centre duquel se situe cette grande cérémonie est d'une importance capitale, à savoir la santé. Les problèmes de santé, comme chacun le sait, se pose toujours avec acuité dans nos pays, surtout en ces temps de crise économique et financière. Voilà pourquoi toutes les initiatives allant dans le sens de la prise en charge gratuite des malades sont les bienvenues. Entendu que les soins de santé de qualité ne sont pas toujours à la portée de tout le monde, surtout en matière de santé, les conférences de nos amis chinois ne sont plus alimentaires. Cette visite a été une visite très instructive, mais surtout une visite assez impressionnante. Évidemment, nous n'avions aucun doute sur les capacités techniques de ce navire Arche de Paix qui est accosté aujourd'hui ici à Pointe-Noire. Mais la visite nous a permis de constater que ce navire a une grande capacité et sera en mesure de recevoir des centaines de malades par jour, comme nous l'avons prévu, avec qui pourront être soignés dans des conditions de haute technologie médicale et avec des conditions de sanitaires et de sécurité de premier niveau.